Ministère public compte M. Cécile Raphaël Lava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilagogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilagogui, les partis civils, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre, AVIPA, comme on l'avait dit la semaine passée, aujourd'hui on va prendre connaissance du contenu du matériel audiovisuel qui pratiquement est venu avec le dossier. Je le précise encore, ce sont des pièces du dossier. Le dossier est venu avec. Ce ne sont pas des pièces qui ont été fournis au tribunal par une partie. Le dossier est venu avec toutes les autres pièces. Voilà, tout ce qu'on a fait, on a simplement essayé de les rendre exploitables à les transcrivant. C'est tout ce qu'on a fait. Donc, ce matin, on va commencer cet exercice. Et je vois que la salle est déjà prête pour accueillir cela. Donc, on va remercier l'unité de gestion pour ça et l'équipe technique de M. Abdoulaye Jibril Diallo. Je ne sais pas si les techniciens sont là. Voilà. Tenez, monsieur. On a reçu mandat de certains confrères qui sont empêchés, tels que Maître Saoulomou, qui est le conseil de M. Blaise Goumou, qui réside à Tombolia. Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il n'a pas pu regagner la commune de Kaloum, parce qu'il a été, il y aurait des mouvements au niveau de Anta. Donc, il souhaiterait, si le tribunal accepte, que la cause soit renvoyée à demain. Maître Hassan Kaba également vient de m'appeler, qui est conseil de M. Kalonzo, qui a formulé la même demande. Voilà. Je ne sais pas maintenant si les autres confrères ont reçu des coups de fil. On s'en remet à votre sagesse. Parce qu'ils peuvent être concernés par ces images. Ministre. Alors, oui. Oui, Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai également reçu le mandat de l'avocat de Blaise Goumou, Monsieur le Président. Depuis 5 heures du matin, on communiquait, il n'arrive pas à joindre la ville. Et même tout de suite, il vient m'appeler, il n'a pas pu voir, vraiment, il n'a pas eu le temps de venir. Donc, la route est complètement barricadée. N'a pas pu joindre la ville. Donc, si vous pouvez renvoyer cette affaire, peut-être que le mercredi ou bien le mardi demain, je vous remercie. Oui. Je pense que vous allez apprécier la demande en toute souveraineté, mais moi, mon problème que je pose, qu'est-ce qui rassure si renvoi doit être ordonné, que la même situation ne va pas se produire demain? Il ne faudrait pas encore qu'on revienne ici demain pour poser le même problème.
chacun sait comment il est venu ici ce matin. Je ne dis pas que c'est à dessein qu'ils ne sont pas venus. Je respecte pourquoi ils ne sont pas venus. On n'est pas dans les mêmes quartiers, et puis voilà, ainsi de suite. Mais si un renvoi doit être accordé parce que les autres ne sont pas là, que ce soit un renvoi conséquent qui pourrait permettre à tout le monde d'être là pour qu'on puisse évoluer dans ces débats. Je vous remercie. Bon, qu'est-ce que vous appelez renvoi conséquent? Renvoi conséquent, renvoyer au moins à une date tenable. Aujourd'hui, certains ne sont pas là parce que la grève illimitée est lancée. On ne sait pas ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après-demain. Le phénomène qui a provoqué la situation d'aujourd'hui demeure encore pour demain et après-demain. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Président, nous vous prions de renvoyer alors le lundi. Bon, c'est bon, on vous a déjà suivi, maître, c'est bon. Maître, il y a quoi aujourd'hui? Ministère public sur la demande. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, le parquet a suivi avec un intérêt cette demande de renvoi formulée par quelques conseils dans cette affaire, Monsieur le Président, au motif qu'ils n'ont pas pu rejoindre plus tôt Kaloum. Mais Monsieur le Président, ce que nous voulons dire par rapport à cette question de renvoi, ce n'est pas seulement les avocats de quelques avocats, Monsieur le Président, qui logent dans les milieux comme ceux de ces avocats qui demandent cette renvoi, Monsieur le Président. Les autres ont eu, Monsieur le Président, et si je prends par exemple la partie civile, beaucoup logent de l'autre côté, mais qui ont eu le temps de sortir et venir pour ce procès, Monsieur le Président. Cette demande de renvoi est sollicitée avec le motif qui est exposé, Monsieur le Président, ne semble pas fondée, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement rejeter cette demande, ordonner que la continuation soit faite dans ce dossier, Monsieur le Président. Je vous remercie. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Pour la partie civile, Monsieur le Président, on s'en remet à votre sagesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça, vous n'avez rien dit. Hein. Vous n'avez rien dit. Dites quelque chose. Oui, Monsieur le Président, c'est que... Parce qu'il ne faut pas aller dire après, ah, c'est pas nous, c'est le tribunal. Dites quelque chose. On ne s'oppose pas à un renvoi. Toutes les fois, Monsieur le Président, votre décision est souveraine. C'est pourquoi nous disons qu'on s'en remet à votre sagesse. Sinon, de principe, on ne s'oppose pas au renvoi. Merci, Monsieur le Président. Une interrogation pour le tribunal. Peut-être qu'on pourra en discuter. Si c'est une pièce qu'on veut suivre ensemble, et c'est une pièce du dossier qui peut être consultée par toutes les parties à tout moment, conformément ou selon leurs besoins. C'est comme un procès verbal qu'une partie peut venir demander au tribunal de faire la copie à tout moment. Est-ce qu'on va renvoyer aujourd'hui
pour une pièce qu'on peut consulter à tout moment. Ce qu'on va renvoyer, parce que le conseil d'une partie n'est pas là, parce que M. Calonzo a un autre conseil, M. Béa est là. Donc c'est le conseil de M. Blaise seul, pratiquement, qui n'est pas là. Et c'est une pièce qu'il peut revoir à tout moment. Il peut venir même demander au tribunal, et le tribunal le mettra à sa disposition. Il peut même faire la copie pour voir. Donc, est-ce que pour ça, on va renvoyer? C'est une interrogation que le tribunal se pose. C'est une question hein, pour toutes les parties, surtout ceux qui demandent le renvoi ou celles qui demandent le renvoi. Est-ce que c'est vraiment opportun? Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison. C'est des pièces qu'on peut consulter. Mais nous ne savons pas, aujourd'hui par exemple, c'est la question que ce confrère m'a posée, le conseil de M. Blaise Goumou, comment on va procéder? Par quelle méthode? Est-ce que ce sera simplement de visualiser, on s'arrête là, il n'y a pas d'observation à faire? Voilà, c'est la méthode que nous ne connaissons pas. On visualise, c'est ce qui avait été dit, on visualise. Pas de commentaire, rien. Pas de commentaire pour le moment, on visualise tout. Parce que ce sont des pièces, personne ne sait ce qui se trouve sur les pièces. On regarde, chacun peut-être peut faire des prises de notes. Bon. On s'en remet à votre sagesse, parce que même si c'est le cas, peut-être ils auront besoin de suivre au même moment que nous autres. Ils ont peut-être des raisons pour suivre au même moment. Peut-être ils ont des raisons, mais moi je ne sais pas. Hein. Je ne fais que transmettre ce qu'on m'a dit. Voilà. Sinon nous sommes là. Bien, pour enchaîner rapidement, Monsieur le Président, c'est pas par rapport aux avocats de Ibrahima Camara et Dick Alonso. Mais il y a également deux avocats qui ne sont pas là. On va prendre tout à l'heure Maître Malik Diakité qui défend Cécile Raphaël. Oui, Maître, on ne va pas partir, s'il vous plaît, on ne va pas partir sur cette lancée-là. Je vous avez dit, s'il vous plaît, vous avez des mandats. Les autres, vous ne savez pas pourquoi ils ne sont pas là. On ne va pas renvoyer simplement parce qu'un avocat n'est pas là. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là. C'est une demande qu'on est en train d'examiner parce que vous avez reçu mandat de certains avocats. Mais ceux qui ne sont pas là, vous ne pouvez pas parler à leur nom parce que vous ne savez pas pourquoi ils ne sont pas là. Deux fois, il y a des avocats qui ne sont pas là. Même s'il y a rien, ils ne sont pas dans la salle. Ça, on l'a constaté. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, il y a X ou Y qui ne sont pas là, on va renvoyer pour eux. Vous avez reçu mandat de certains avocats. Ils vous ont dit la cause, pourquoi ils ne sont pas là. Donc, nous parlons de ceci. Donc, il ne faut pas l'étendre à tous les avocats qui ne sont pas présents dans la salle. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. Si on doit renvoyer tous les jours parce qu'il y a un avocat qui n'est pas là, on finira par renvoyer tous les jours. Merci, Monsieur le Président. Maître Mbombi Mara veut parler. Il n'a pas encore parlé. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, moi, j'ai un souci. Tout ceci, c'est par rapport à la pièce qu'on doit visualiser ce matin. Alors, je pense que sur la base d'un principe classique, lorsque véritablement le tribunal possède une pièce qui véritablement doit porter à la connaissance des parties, même si on est en matière pénale, que les pièces sont curables, d'accord, mais est-ce que le tribunal va faire des efforts pour nous distribuer ces pièces-là? Cela n'est écrit nulle part, maître. Que c'est le tribunal qui doit vous donner les pièces. C'est une pièce du dossier, on l'a dit. Toutes les parties peuvent consulter à tout moment. Voilà. D'accord. C'est une pièce que tout le monde consulte aujourd'hui pour la première fois. Et d'accord. Après, toutes les parties pourront venir chercher, faire la copie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Maître Pépé veut parler, là. C'est le micro. Monsieur le Président, moi je pense que les débats peuvent se poursuivre.
vous aviez bien rappelé que les pièces, les CD ou audio qui seront projetés ici ou entendus ici seront à la disposition des parties et que les parties pourront même après ces débats entrer en possession pour être au même niveau d'information que les autres. À partir du moment où ces pièces n'interpelleront pas les réactions des parties, nous allons tous, en tout cas en dehors du tribunal, de manière passive, suivre la projection. Je pense qu'on peut bien évoluer pour avancer dans ce débat. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre? Personne. Alors on va continuer. Monsieur le technicien, vous pouvez lancer. Je ne vous entends pas. Vous pouvez parler dans le micro là-bas pour que tout le monde vous entende ce que vous demandez. Nous avons deux dossiers ici. Un dossier qui contient des vidéos et d'autres qui contiennent des audios. Bon, on va commencer avec la vidéo. Vous pouvez nous lire ce qui est écrit avant de commencer. La première vidéo, c'est d'Addis, 28 septembre, France 24. Allez-y. Il n'y a pas de son. Au point de vue coopération militaire, c'est la France qui est présente. Ça doit être à la cabine. C'est pas la Guinée. Monsieur le Président, est-ce que ces menaces de sanctions internationales, ces débuts de sanctions, notamment de la part de la France, est-ce qu'elles ne sont pas... qu'a connu la manifestation de l'opposition lundi qui s'est soldée par un bain de sang? La France n'a pas le droit, quels que soient les problèmes, la France doit être le premier pays dans le monde. Monsieur le Président de la République, merci de nous recevoir ici dans votre bureau qui est installé au camp militaire Alpha Yaya Diallo sur les hauteurs de Conakry. Alors, première question, comment réagissez-vous vis-à-vis des sanctions qui ont été annoncées par la France? Si la France fait rupture au point de vue coopération militaire, c'est la France qui est perdante, c'est pas la Guinée. Monsieur le Président, est-ce que ces menaces de sanctions internationales et ce début de sanctions, notamment de la part de la France, est-ce qu'elles ne sont pas proportionnées à la hauteur de la répression qu'a connue la manifestation de l'opposition lundi qui s'est soldée par un bain de sang? Oui, je crois que ça, c'est... Si la France prend des sanctions, c'est d'ordre classique. On ne condamne pas la France. Moi, je ne condamne pas la France. La France n'a pas le droit, quels que soient les problèmes, la France doit être le premier pays dans le monde. Parce que la France nous connaît mieux par rapport aux autres puissances. Puisque c'est la langue de Molière que je parle avec vous. Est-ce que c'est ma langue que je parle? C'est la langue de Molière. Donc la France, quoi que les choses se passent,
elle est indissociable, nos relations sont indissociables, nous sommes tenus obligés de vivre ensemble. Il ne serait-ce que la mondialisation et les relations historiques, à la fois aussi séculaires. Monsieur le Président, qu'en est-il, pour revenir à la manifestation de lundi, qu'en est-il du bilan définitif de cette manifestation? De sources indépendantes, on cite plus de 80 morts, certains font état de 100, 150, voire 200 victimes. Quels sont les chiffres auxquels vous avez accès? Selon les informations, parce que j'étais dans mon bureau, les informations et le rapport que j'ai eu de la part du ministre de la Santé et avec la participation de la Croix-Rouge me l'a dit que le nombre de personnes qui sont mortes était dans l'ordre de 53 par balle. Voilà, 53 par asphyxie et bousculade et 4 par balle perdue. Voilà, 4 par balle perdue. 53 par bousculade, c'est ce qu'on m'a dit. Mais la confirmation, vous êtes sur le terrain, vous irez et vous allez voir effectivement la véracité des faits. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête du côté des forces de l'ordre pour savoir quel a été exactement leur comportement durant cette manifestation? Oui. Enquête des forces de l'ordre. Pourquoi pas les leaders politiques? J'ai fait un communiqué demandant au président des Nations Unies de faire une enquête des événements de janvier-février 2007 passé, pendant que je n'étais pas au pouvoir. Ensuite, le 28 septembre, les événements. C'est-à-dire que la manifestation de lundi et les conditions de sa répression éventuelle vont faire l'objet d'une commission d'enquête que vous allez instituer? D'une commission d'enquête nationale et internationale. Beaucoup de témoignages font état d'une répression sanglante. Les militaires sont accusés, notamment les bérets rouges, d'avoir ouvert le feu délibérément sur les manifestants. Par ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de viols de femmes. Quelle est votre réaction? Ma réaction... Vous savez, nous avions une armée qui n'a jamais été structurée. 50 ans, c'est la seule armée au monde où le statut n'est pas respecté, la seule armée au monde où il n'y a pas une refonte, la seule armée au monde où le caporal ou le sergent peut dire merde à un général. L'opposition ne peut pas manifester, il y a une interdiction, une suspension quoi, des libertés de manifestation politique. Ça veut dire que la Guinée, depuis lundi, vit dans un régime d'exception? Pourquoi les leaders sont coupables? Ils ont été des commanditaires parce que c'était prémédité. La préméditation, c'est quoi? Lorsque vous mobilisez une marée humaine et que cette marée humaine, nous sommes dans un état... quand bien même d'exception, mais l'homme, la nation, tous les hommes sont régis par la loi. Et lorsque cette marée humaine participe à la marche, qu'ils arrivent à saccager les édifices publics, surtout la sécurité, la police, ils ont saccagé. Est-ce que ça autorise pour autant les militaires à éventuellement ouvrir le feu? S'il vous plaît, ça n'autorise pas les militaires, mais certes, ça prouve déjà qu'il y a l'insécurité, parce qu'il est simplement permis à l'homme en uniforme, aux policiers, d'avoir l'autorisation du port d'armes. Mais lorsque une grande marée humaine saccage les édifices, les commissariats de police, se saisir des armes et aller à un lieu de meeting, ça déjà, ça fait, c'est une menace, c'est effrayant. C'est dans ce même bureau. Comment informer à 10h? 10h que la police était déjà saccagée, la prise des armes de guerre. Armes de guerre que les leaders politiques ont conduit avec une marée humaine qu'on ne pouvait pas mobiliser. Et donc, ils ont prolongé leur cheminement au stade. Et du stade, me l'a-t-on informé qu'ils ont défoncé le portail, quand bien même que la loi était là en disant que la manifestation ne devrait pas avoir lieu parce que le stade n'était pas propice à ça. Défoncer, rentrer au stade. Sortir, m'informant qu'effectivement les civils ont saccagé la police, j'ai eu des grandes inquiétudes. Je me suis dit, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Et donc, les militaires
Comme je vous le dis, cette armée, la France sait, la France connaît, la communauté internationale sait, 50 ans, cette armée n'est pas structurée. Et donc, les militaires sont partis. Il y a eu accrochage, très malheureusement. Il y a eu ces cas de mort, ou par balle, ou pointé, ou viol. Moi, je n'ai pas assisté. Et puis, finalement, par l'asphyxie. Alors donc, c'est un grand regret pour moi. Il faut que je vous explique le cheminement avant d'aborder le problème des élections. Parce que ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser les élections libres et transparentes dans ce pays si il y a ce clan qui tend à l'extrémiste, des fanatiques qui sont là et avec des voiles noirs, qui est d'ailleurs connu, que j'ai pas, que tous les Guinéens savent, des extrémistes purs et simples, qui n'ont jamais peur et qui ont toujours secoué le régime du feu général Lansana Conté. Et leur stratégie, c'est quoi? C'est effectivement leur stratégie. Il fallait alors conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre l'ordre public et les sympathisants, pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler d'un problème de décès. Monsieur le Président, nous sommes obligés de conclure cet entretien pour des raisons de temps. Pour des raisons de temps, je reviens sur la question de la candidature. La question de la candidature, je ne suis pas pressé pour la question de la candidature. Ce n'est pas ce qui est important. J'ai la tête sur les épaules. Je suis libre. Je suis libre où je suis. Aucun homme du monde, même la communauté internationale, quelle que soit la communauté internationale, n'a pas ce droit. La Guinée est un État souverain, une nation souveraine. Cette nation a les mêmes valeurs que toutes les nations au monde. Certes, la dimension et la diversité et la technologie font la différence. Mais une nation, c'est une nation. Nous ne sommes pas une nation sous l'esclavage. Nous sommes une nation souveraine. Grâce à la France, il n'y a pas eu la guerre. Et la France nous a donné la liberté, l'indépendance, sans effusion de sang. Et pourquoi le peuple même dit aujourd'hui qu'il faudrait que le capitaine Dadis soit candidat? Vous avez vu tout de suite notre armée. Cette population a peur parce que même moi, si ce n'est pas la sagesse, si ce n'est pas que ces hommes ont du sentiment pour moi, cette armée, personne ne peut maîtriser cette armée. Les civils non plus ne peuvent pas maîtriser cette armée. La preuve en est que tous les leaders, lorsqu'ils venaient dans mon bureau, ils ont dit que par rapport à cette contexture, l'armée n'est pas structurée, l'armée n'est pas hiérarchisée. Où le caporal peut dire au général « merde », prendre le pouvoir, faire une organisation des élections libres et transparentes, ça sera comme le cas de la Mauritanie, comme le président Ball l'a fait. Il a organisé les élections. Finalement, c'est le général Aziz qui est venu renverser. Et donc, si la population dit aujourd'hui que le président Dadis doit être candidat, parce que la population pense en 8 mois, la prise du pouvoir, il n'y a jamais eu effusion de sang. D'abord, la prise du pouvoir sans effusion de sang. Le seul pays au monde sans effusion de sang. Et donc, la population estime, peut-être étant candidat, je peux faire une réforme de l'armée, je peux restructurer l'armée. Je suis dans le dilemme. Quel dilemme? Dire non, je ne suis pas candidat et qu'il y ait des problèmes. Dire que je suis candidat et qu'il y ait des problèmes. Je suis entre le marteau et l'enclume. Le moment, avec la puissance de Dieu, parce que je suis un fervent croyant. Je crois en Dieu. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas ma force qui a fait de moi que je sois président. C'est mon honnêteté, ma sincérité, mon intégrité. Parce que j'ai fait des œuvres. La lutte contre la drogue. J'ai pas demandé à la communauté internationale de me donner les moyens. J'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié la vie du CNDD au profit de mon peuple, de la Guinée, de l'Afrique et de la communauté internationale. J'ai fait l'éradication de la fonction publique, la gabegie financière, l'assainissement des finances publiques, la restauration de l'État, la lutte contre la traite des enfants. Alors tous ces actes en 8 mois par rapport à 50 ans,
J'ai même fait un programme d'électricité et d'eau pour tous. 50 ans, ces leaders aujourd'hui qui parlent, qui ont occasionné, qui ont mouvementé, qui partent à l'extérieur, voir le Quai d'Orsay, voir la Maison Blanche, parce que simplement, ils ont des alliances, ils ont étudié avec ces gens. Ce n'est pas ce qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent donner le commandement. Ce n'est pas ça. C'est ce que j'ai posé sur le terrain. Dans ce peu de temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien pour France 24, ici à Conakry, en République de Guinée. Elle est finie. Voilà, on va suspendre momentanément pour quelques 10 minutes. L'audience est suspendue.